Le moral va bien, je suis très content de vous voir, puis de pouvoir adresser ce petit message aux supporters, à tous ceux qui suivent et tous ceux qui m'ont envoyé des messages aussi de soutien, qui m'ont beaucoup touché et qui m'ont soutenu dans cette épreuve. Quoi. Mais sinon, tout va très bien, le sourire et le moral vont bien. Ça m'a fait du bien d'être pour moi, d'être en famille, pour pouvoir être soutenu par mes parents et ma fiancée pour les premières semaines qui ont été compliquées. Oui, ma copine, ma fiancée, ouais, c'est aussi elle qui s'est occupée le plus de moi parce que voilà, bon nous voilà, c'était un peu plus dans l'intimité, mais tout pour se doucher, pour se lever, pour aller aux toilettes, c'est des choses toutes bêtes dans la vie de tous les jours pour quelqu'un de normal. Mais quand on a la jambe immobilisée après une opération grosse, lourde comme celle-ci, c'est juste super compliqué. 4 minuten nog, vrije trap. Die valt voor de voeten van Lucas. Bah écoute, ça se passe de mieux en mieux. Comme j'étais passé à Courtrai là, il y a maintenant de ça 10 jours. J'étais en béquille, tout ça, et maintenant, ben, en 10 jours, on a fait beaucoup de progrès. Je travaille beaucoup tous les jours, de 6 à 7 heures de kiné. Et voilà, tout doucement, je remarche. Je récupère aussi le muscle au quadriceps, qui me permet de remarcher, de reprendre un petit peu une autonomie. Et c'est vrai que ça fait beaucoup de bien de remarcher, quoi. Je suis vraiment basé sur une optique de reprendre, de récupérer au plus vite et au mieux pour avancer, quoi. Donc voilà, je suis vraiment sur une dynamique positive et je pense que c'est important mentalement d'être sur la même dynamique. Et c'est le cas, donc voilà, je suis très content de ma progression aussi pour le genou. On a du mal à parler pour l'instant de période, mais ce qui est sûr, c'est qu'on va tout faire pour revenir le plus vite. On ne va pas griller les étapes parce que c'est pas bon. Il vaut mieux reprendre bien qu'à moitié et se reblesser derrière. Mais voilà, on espère rejouer avant 2019.